pas énormément d'endroits. Dans la Gaïa, même s'il y a un côté scientifique, c'est-à-dire... C'est-à-dire qu'il faut aussi se mettre dans les conseils municipaux. Et... La restauration collective, c'est plusieurs milliards de repas en France par an. Mais ils ont des personnes qui viennent former les cuisiniers des crèches. C'est dans les repos. C'est des modèles qui existent et qui sont en train de se mettre en place depuis 10 ans. T'as raconté ça ? Là, ici. On va organiser un festival interassociatif, intergénérationnel. On aura besoin de tout le monde, ça se passera avec Jean Desmains. Évidemment, beaucoup de gens ne savent pas comment consommer responsable. Comment faire pour aller trouver du brac à Thonon ou à Evian. Le réseau Eco 74 répond à cette demande. Donc on a un lieu qui est autonome au niveau énergétique et puis qui rentre dans le schéma que les communes ont besoin d'obtenir, donc l'éco-responsabilité. Et l'idée, c'était d'imaginer un film documentaire qui parlait d'une transition dans ce territoire-là avec des gens qui ont envie de faire des choses, qui en font déjà ou qui ont envie d'en faire.